Inside. Alors, à défaut de comprendre l'histoire du jeu, je comprends le titre. Enfin, j'ai une interprétation pour le titre. Je m'en vais vous la livrer dès que le jeu aura chargé. Chargé, chargé, voilà. Au début, on contrôlait un petit bonhomme qui s'appelait Arnold, et maintenant on est ça, parce qu'on est rentré dedans, le ça. J'ai toujours espoir de voir le petit personnage réapparaître après, mais ça m'a l'air plus compliqué quand même là. Il y a quand même une grosse tendance à l'assimilation, hein. Alors tout ce passage avec la barre en bois, on l'a fait la dernière fois. Raté. Allez, on va y arriver. Ah, oh, mais sérieusement, sortez-vous les doigts, quoi. Petit effort. Bref. Eh ben voilà. Vous voyez que c'est pas si dur. Donc je vous rappelle que les chiens n'attaquent pas ça. Sont pas cons. Et que nous, on se sauve par là. Et oui, c'est assez dégueulasse. Hop là. Ah, stretch. Je prends pas vraiment de dégâts de chute, hein, depuis le début. Donc. Oh, quoi par là? Non, debout. Merci. Bien. Là. Le gars, il ferait mieux de se sauver parce que... Ah non, il va passer la porte. Ah, je vais faire des bouts de moi en fait. Là, il y a un torse qui se balade. Et qui meurt. Ouais, il est pas impossible que le héros ressorte, enfin le personnage ressorte à la fin. Si c'est, comment ça s'appelle? Si les bouts de chair finissent par mourir tous autour. Peut être comme ça, quoi. Et bon. Non mais oh. La fois que j'étais complètement con, je peux pas aller là-dedans, moi, je suis pas un abruti. Je continue d'avancer, je peux tout détruire. Ah, bon. Ça m'embête parce qu'il me guide un peu vers ça quand même, hein, au final. Aïe. J'ai encore perdu un bout de bonhomme. Pas cool. Toi, par contre, peut-être. On peut pas ouvrir ça? Je suis pas très d'accord avec ça. Mais bon. Le gros truc blanc au plafond, ça me rappelle le machin qu'il y avait sous l'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À part rouler. Peut-être se mettre plus haut pour atteindre ça. On peut peut-être foncer là-dedans. Non. Arrêtez de le jeter ça, j'en ai besoin là. Merci. Là, si je monte dessus, est-ce que je peux me faire absorber par ce truc au plafond? Non. Pas défoncer un mur avec. Ça devient compliqué là. Je suis à fond dans mon cerveau là, mais. Ah, je pense que là-haut c'est un bouton. Si j'arrive à lancer le truc. Voilà. Maintenant c'est pas un bouton, mais. Si j'arrive encore à relancer le truc. Voilà. Oh, de l'eau. Là, parce que je sais que je nage. Plus ou moins.
Je suis le roi des patates. Ouh, ça ressemble à un incinérateur. Je suis pas sûr de vouloir rentrer là-dedans, pour être honnête. Je les cache quoi. Ok, ça... je peux jeter la boîte. Je vois que ça. À ce stade. Bien moi apparemment clairement je peux pas y rentrer, ce qui est bizarre. J'aurais cru qu'on peut au moins mourir en se jetant dans les flammes. Comme dans tout bon jeu quoi. Et manifestement. Non, donc. Ok, donc la boîte crame. Oh les enfoirés. Alors maintenant il est clair qu'il faut que je ramène la boîte en feu ailleurs mais... Olé. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ce jeu? Hé. Vous avez cru que vous pourriez m'arrêter? Je sais pas en quoi aller, par contre, ma crame vient là-bas. Donc là-haut, ça va aimer le feu, je pense. Ou pas. Yes! La maîtrise du blob. Je pense que c'est à ce moment-là que le truc va finir par me dire ouais, bah finalement, t'es plus un blob. Ah, on se roule péniblement. Après, j'ai perdu deux ou trois morceaux, mais il en reste, hein. Aïe. Par contre, si ça pouvait arrêter de gémir, ce serait sympa. Qu'est-ce que... Je ramène un train, je suis une locomotive. Ce jeu est plein de surprises. Attendez, par contre, il y a peut-être un secret derrière. Arrêtez d'avoir mal, les gars. Non, il n'y a pas de chance ou quoi. Et des chaises. Allez, on va pousser. Ou on va tirer à part. D'ailleurs, parce qu'au début du jeu, il y avait des gens avec des armes. Donc les armes existent dans cet univers. Apparemment, le service de sécurité de, cet endroit, non, lui, il n'existe pas. Ok, donc eux, ils essayent de me piéger. Ok, donc j'arrive à accrocher ça. Ok. Oh, je commence à comprendre. Yeah. Donc ils vont accrocher le... Non, aucun passage. Je pense qu'ils vont accrocher le bras ou le truc. Ou peut-être pas volontairement. En tout cas, je leur ai bien montré qui c'était le chef. C'est pas eux. Par contre, là, je vais pas pouvoir monter facilement. À moins de pouvoir pousser les wagons ou de pouvoir m'approcher. En fait, je dois pouvoir pousser les wagons. Aïe. Ouais. Ce jeu a pris une tournure des plus étranges. Je sais pas quoi dire sur le lore, je sais pas quoi dire sur ce que vous avez à l'écran. Je sais juste que ça, je sais comment on résout les lignes, c'est comme ça. Ok, c'est juste super trop haut les gars. Non, je peux pas atteindre un truc qui est aussi haut que ça. Et clairement, ça n'arrivera pas. Le jeu qui se reset pour me donner la boîte. Quoi? Oh putain, il a... Ah, ok. Oh, c'est gentil.
Et je comprends pas trop le... Merde. Je comprends pas trop le truc, mais il m'incite à m'échapper, en fait, apparemment. Regardez, je lui donne la boîte. Et en fait, il me faisait signe le bouton, et il me faisait signe « sors de là », quoi. Allez, fonce. Je sais pas pourquoi ils veulent que je sorte, mais en tout cas... Ceux-là, peut-être parce qu'ils veulent pas que je leur foute la merde dessus. Je sens le piège, hein. On va continuer d'avancer. Il va y avoir un mur. Voilà. Je sais pas s'ils me guident vers un piège ou s'ils veulent me laisser sortir, en fait. Bon, ça c'est un piège, c'est clair. Pourquoi je peux plus nager là? Ok, je peux nager que quand ça se fait. Ok, je suis dans un... Ah ah! Je suis dans une espèce de conteneur, mais ils ont pas tout prévu. Notamment le fait que j'ai plein de bras et de force. C'est moche par contre, hein, la créature. Vous croyez qu'on va recroiser des sirènes? Non, parce que là je l'attends la truc, hein. Va vers la lumière. Ah, la lumière c'est là. Incroyable. Par contre, il est énorme leur entrepôt, hein. Parce que depuis tout à l'heure on avance et on est encore dedans, quoi. Par contre, mon bouton saut qui marche plus, ça m'embête. Aïe. Ah bah oui. C'est pas conçu pour des personnages de notre stature. D'ailleurs, la preuve, si on recommence... La patte. Ouh, on est dans la forêt. Ouh, il y a des arbres. Ouh, ça a l'air d'être des conifères. Ouh, ça fait mal. Aïe. Ça pique. Aïe, aïe. Oui. Bon bah au moins on est sorti du labo. Alors le gros blob il a dû en prendre plein la gueule. Mais avec un peu de chance, je récupère mon bouton saut. Allez, je peux plus rien contrôler là. Peut-être ressortir de là. Sérieux? Mais... Allez, vous m'avez pas fait respirer sous l'eau pour me transformer en gros boule de chair. Il y a un truc qui bouge quand je bouge, mais... En fait ça bouge pas. Ok, on va essayer de rester juste appuyé sur une direction. Insister. Ok, on mange tout. Non, en fait, rien ne change. À part que le truc a l'air de devenir plus petit. Ou alors c'est la fin. Ah. J'avoue être un peu dubitatif là. En gros, j'ai échappé aux méchants pendant tout le jeu, ou gentil, je sais pas, pour finir absorbé par une grosse boule qui finit échoué sur un bord de mer ou de revue de fleuve ou de lac. Ok. Alors bon, parlons du jeu. La direction artistique est chouette, pas de problème. Les graphismes ils vont bien avec, la maniabilité elle est spot on tout le temps. Il n'y a pas un seul puzzle, une seule énigme qui m'a semblé bien faire, on va dire. Mais par contre sur l'histoire, je suis tellement perdu. Je comprends pas ce que c'était les bestioles sous l'eau, je comprends pas ce qu'on est là concrètement. J'ai plus ou moins compris que globalement ils fabriquaient des assemblages de blobs. Avec plus ou moins peut-être de l'humain dedans, mais c'est pas une certitude. Que c'est un business. Mais voilà, au-delà de ça,
qu'est-ce que c'était le gosse au début? Est-ce que c'était une expérience ratée? Est-ce que c'était un vrai gosse? Et pourquoi j'ai pas été tué par la bestiole sous l'eau? Pourquoi est-ce que je respirais sous l'eau? Il y a plein de trucs comme ça, surtout que on respirait pas sous l'eau avant. Je veux dire, avant, sous l'eau, on avait plus d'air, on était mort, quoi. Ok, est-ce qu'il y a des petits détails sur la suite? Non, ça recommence. Comme dans Limbo. Ok. Voilà, on a un t-shirt et tout. Donc. Je vais me renseigner sur est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à refaire. Peut-être qu'on a une fin différente si on trouve tous les secrets aussi. C'est quelque chose à ne pas négliger comme idée, mais peut-être voilà, peut-être qu'on a une fin différente si on chope tous les secrets, mais je vais vérifier parce que si c'est juste pour avoir des achievements de Steam, je le ferai pas, pour que ce soit très clair. Mais s'il y a un truc différent, oui, là, je le ferai. Bon bah du coup, vidéo un peu plus courte, bah, c'est pour compenser la vidéo d'hier, plus longue. À plus.